J'ai commencé à travailler à la MRC Bromessiquoi en 2007. L'île aux mouettes qui était là n'existait pas. Il n'y avait absolument rien. Donc, c'est vraiment l'accumulation de sédiments qui arrive de la Yamaska Sud-Est qui s'est accumulée d'année en année. L'enjeu pour le lac d'Avignon, c'est vraiment le contrôle de l'érosion. Et d'ailleurs, il y a eu des études de stratigraphie de sédiments qui a été fait dans le lac. On voit que le taux d'accumulation de sédiments a fait x20 depuis environ une quinzaine d'années. Hein. La démarche, ça a commencé par mettre en place un comité technique avec des professionnels, là, autant du territoire que de l'externe, pour voir, de ne pas réinventer la roue, qu'est-ce qui s'est fait ailleurs. C'est inspiré du règlement de contrôle intérimaire de la Ville de Québec qui avait été adopté pour protéger ses sources d'eau potable. Comment on peut prendre le concept que les autres avaient développé avec certaines particularités normatives, puis de l'appliquer ici? Fait qu'on a mandaté Biophilia. Mais le premier hiver, ben, en fait, c'était de proposer une version préliminaire d'un règlement qui visait l'écoulement et la gestion des eaux de surface. On a trouvé l'acronyme REGES, qui s'appliquait bien et qui était facile à retenir pour le territoire. Puis un peu à la blague, on disait, bon, mais Québec a son REGES, Bromessiquoi va avoir son REGES. La MRC avait adopté un premier plan d'action en 2012. Donc, le REGES est un élément du plan d'action et le plan d'action touche aussi d'autres éléments qui concernent le cadre déjà bâti. Donc, suite au comité technique, on a adopté un règlement de consultation, un règlement, dans le fond, qui servait de base à la consultation. Et suite à ça, on est allé rencontrer différents groupes qui seraient visés par des modifications réglementaires. On parle du milieu agricole, des promoteurs immobiliers aussi qui sont vraiment touchés, les entrepreneurs en construction, excavation. Ouais. Des firmes d'ingénierie. Oui, puis la population, monsieur, madame, tout le monde. Oui, les apprenants. Ouais. Sans oublier nos municipalités aussi. Donc, suite à ça, c'était de les écouter. Voici, nous, le but qu'on recherche. Voici les moyens qu'on propose. Et rendu là, on peut discuter sur les moyens. Peut-être qu'il y en a un que, concrètement, ça s'applique moins bien. Le gros défi, là, finalement, là, c'est de s'assurer qu'on fasse respecter ce règlement-là. Il est suffisamment souple, là, pour être facile d'application. Il va falloir que la volonté politique qu'on a eue pour mettre en force un règlement comme celui-là, il va falloir s'assurer que cette volonté politique-là demeure aussi vigilante qu'elle l'a été au moment où on l'a réfléchi. Parce que c'est à partir d'un conseil municipal que les règlements sont appliqués ou pas. Si le conseil municipal n'y tient pas, évidemment que la machine n'y tiendra pas. C'est quasiment une des forces de notre démarche, c'est de demander des efforts à tout le monde, du fait qu'il n'y a pas un groupe qui est ciblé en particulier. On n'essaie pas de taper sur la tête de personne. Le gros avantage pour cet règlement, c'est qu'on va donner une meilleure qualité de vie à nos citoyens, une meilleure qualité de l'eau dans notre lac. Ceux qui y ont acheté en bordure des lacs, là, ben, la valeur de propriété dépend de la protection qu'ils vont donner à l'eau. Là. Ils ont payé ce prix-là pour avoir ça. La journée qu'ils l'ont pu, là, elle vaut quoi, le même? Aussitôt qu'on contrôle le ruissellement, puis qu'on arrive à réduire l'érosion, on arrive à réduire la pollution des eaux par le phosphore, les pesticides, l'envasement, les algues bleues. Donc, ce cadre réglementaire-là, vraiment, est un outil essentiel pour les eaux BV. La démarche de concertation prouve aux élus qui décideraient de se prendre en main qu'ils sont pas seuls pour agir. Mm-hmm. Il y a les OBV qui peuvent les conseiller, il y a les ministères qui sont intéressés, il y a d'autres personnes. Tout le monde va les écouter et tout le monde va contribuer s'ils se donnent la peine de concerter les gens. Donc, mais aujourd'hui, là, après ces 3 années et demie, là, c'est valorisant quand même. C'est vraiment valorisant parce que, un, on s'est développé en tant que personne là-dedans. On a développé nos connaissances aussi davantage. Ça a été très enrichissant. Je recommencerai demain matin. Là. C'est ça, des fois, on a l'impression de répéter souvent la même chose. Mais je pense que c'est le lot de la sensibilisation. C'est jamais fini.